aujourd'hui une petite vidéo sur la T-Box que j'ai reçue pendant mes vacances, que j'ai reçue dans un carton, mais je ne vous montrerai pas le carton, mon chat est dedans. Voilà, au moins il ne miaule plus. Voilà, alors ce mois-ci, c'est celle de mai. Elle est rose, comme vous voyez. Voilà. J'ai refait la vidéo parce qu'il y avait le miaulement du chat. Alors, je remets quand même tout ce qu'il y avait dedans. Alors, ça se présente, je vous montre, sans essayer de faire tomber, parce que c'est spécial beauté, ce mois-ci. Là, je tiens tout, c'est beau. Voilà, comme ça, il y a le contenu, et je reçois toujours des boîtes comme ça, et là, il y a un masque, vous voyez, de beauté, elle est rose. Voilà. Et avec, on reçoit toujours... Il y en a trois petites cartes postales, ça c'est le petit sachet dans lequel elles étaient. J'ai reçu la recette d'un masque de beauté de la peau au yaourt et au matcha. Parce que ce mois-ci, a priori, c'est spécial beauté. Voilà. Avec la recette. Vous voyez, là. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos. Mignonne, allons voir si la rose... qui ce matin avait éclos sa robe de pourpre au soleil. Voilà un petit dicton. Et une carte T-Lab avec des gâteaux, des cosmétiques, du thé, la citronnelle, la limonade. Voilà. Trois petites cartes postales, toujours très mignonnes. Et le petit menu qui accompagne toujours les... la T-Box qui est dédiée à la beauté T-Lab. Et avec ça, j'ai reçu 40 filtres à thé de la marque Finam. Voilà, pour faire ses décoctions soi-même. Au lieu d'avoir des filtres à café, c'est des filtres à thé. Voilà, avec la notice derrière. Voilà, alors on va commencer. J'ai reçu deux petits sachets de thé en vrac d'Alvus, thé vert, mandarine et pamplemousse. Vous voyez, en vrac d'Alvus ou Alvus. Moi je dis Alvus. J'ai reçu du thé noir d'Alvus ou cassis. Si vous entendez une tondeuse, c'est les jardiniers. J'ai reçu un cake à faire de Marlette. J'avais reçu dans la bonne box, je crois. Un pain d'épices aux abricots. Bio. Voilà, je vous montre le gâteau de Marlette. Avec la recette derrière. Il faut rajouter 140 g de miel, 35 g de beurre, 9 centilitres de lait et un œuf. Voilà, et dedans, généralement, c'est la farine. Voilà, la préparation pour faire le gâteau. À essayer, c'est pas mal. Hein. Enfin, avec ça, j'ai deux thés verts parfumés John Lemon au citron jaune. Voilà, de Daman. J'en ai deux. Et de Daman, j'ai reçu aussi la tisane bio, la Star Elixir Organique Herbal Thé. Deux. Voilà, avec ça, j'ai reçu des ananas confits. Je montre comme ça derrière comment ça fait. De l'ortie en vrac. Ça c'est pour faire ses préparations. J'ai reçu la fleur d'hibiscus en vrac, bien sûr, et des pétales de rose. Alors il y a des, vous avez remarqué, il y a des petits pois dessus là, des pois verts, des pois mauve, vert. Ça doit correspondre à quelque chose. Voilà, tu vois, celui-là c'est un pois violet
et celui-là, et pétale de rose, c'est violet et vert. Ça, ça doit être dans le menu. Voilà, c'est pétale de rose. Avec ça, j'ai reçu une tisane, 4 petites tisanes. Donc, la route des comptoirs de sérénité. Là. La reine des damas, bio. Dans chaque buveur de thé, sommeil un sage. Belle parole. Voilà. La route des comptoirs, équilibio. J'espère que j'en ai pas trop la tondeuse. La route des comptoirs, minceur. Voilà, ça c'est la détox du printemps. Avec ça, j'ai reçu un petit sachet de matcha Anna à cuisiner. Voilà. Et deux petits sabliers, un vert et un mauve. Il y a une petite explication qui va avec. Hein. C'est dans le petit menu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces mois-ci dans le menu? Bon, c'est le cahier. Hein. Il y a toujours un petit caractère qui est très bien expliqué avec une petite explication. Alors, thé lab, ingrédients, une grande dose d'amour du thé, 3 pincées d'étonnement, une noisette de curiosité. Pour aborder cette édition créative de la Thé Box, munissez-vous de votre esprit d'aventurier, explorateur de saveurs. Le Thé Lab vous invite à découvrir le thé autrement. Le rêve de tous les amoureux du thé se réalise enfin. Créez votre propre thé, équilibre, alliance et mélange surprenant, sans apporter de tasse. Le thé rime avec bienfait. Concoctez vos cosmétiques homemade et au thé au programme bien-être, calme et sérénité en toute légèreté. Le thé se décline en recettes sucrées et salées. Petit délice du quotidien, le thé là vous ouvre les portes de la gastronomie théinée. La thé box thé lab se déguste, se découvre, s'explore. Elle est à faire soi-même. Une seule consigne, inventée et savourée. Voilà, il y a le bienfait du thé pour une cure printanière. C'est les petites tisanes que je vous ai montrées, infusées, équilibio, minceur, reine de damas, sérénité. Voilà, ça c'est la petite cure. Avec le temps d'infusion, voilà, petite cure minceur du printemps. Créer votre propre thé avec le Thé Lab, ça c'est... En mai, je fais ce qui me plaît, je fais mes propres mélanges de thé, la Thé Box suit ce bel adage. Et créer la Thé Lab vous laisse place à toutes vos créativités, vos envies. Comme une vraie maison de thé, vous composez, vous mélangez avec les ingrédients de chez Alvus, l'un des plus grands fabricants de thé en Belgique. Dans la boîte du petit chimiste de thé, vous disposez de 2 bases de thé, l'une au thé noir et l'autre au thé vert. Et de 4 ingrédients, les pétales de rose, la fleur d'hibiscus, l'ortie, ananas confit, pour que vous puissiez les ajouter, mélanger, doser et équilibrer. A vous de créer vos recettes et vos thés uniques selon vos goûts, vos envies et vos humeurs. Une seule consigne, inventez et savourez. Vos outils, vous disposez d'une boîte de 40 papiers fil de chez Finum, on a vu là, pour infuser vos mélanges en toute liberté. Et de 2 sabliers, je vous ai montré, l'un pour le thé vert, 3 minutes. Et l'autre pour le thé noir, 5 minutes. Voilà, ça va être 3 minutes, je pense. Il y en a plus, ça doit être 5 minutes. Voilà, pour surveiller vos temps d'infusion comme un véritable chimiste. Base de thé vert, le thé vert mandarine et pamplemousse. Ce thé vert de Chine, Sencha, est un mélange fruité de floral à base d'arômes naturels de mandarine et pamplemousse. Il renferme des morceaux de mangue, des écorces d'orange, des feuilles de verveine, de mélisse, de passiflore. Vous entendez les soufflettes, je présume ? Des fleurs de souci et de tilleul. Ajoutez à cette base de thé et pétales de rose et morceaux d'ananas et de l'ortie. Avec ce mélange, vous réussirez le pari inouï d'allier plaisir et détox. L'élimination des toxines est favorisée avec les feuilles d'ortie qui sont dépuratives. Elles peuvent d'ailleurs s'infuser toutes seules. L'ananas qui est plein de vitamine C ainsi que la rose viendront fortifier votre organisme. La rose soulage le rhume et calme la toux. Dans l'Antiquité, la rose était déjà connue pour ses bienfaits. La belle se frotter le corps avec des pétales de rose séchées et broyées au pilon pour avoir la peau douce et claire. Voilà, là c'était pour vous expliquer un petit peu les... Merci la soufflette. Après il y a la base de thé noir, c'est le thé au cassis qu'on a vu. Voilà, vous avez toute explication. Thé noir au cassis, thé noir de Ceylan est un mélange fruité et floral à base d'arômes naturels de cassis. Se renferme des feuilles de mûre, de groseille, de cassis qui lui donnent son goût sauvage. Ingrédients mélangés. Créez votre propre thé en restant dans la... thématique en rouge des fruits déjà présents dans la base. Ajoutez de l'hibiscus et des pétales de rose à l'infusion. L'hibiscus est riche en vitamine C et A. Il est antioxydant
et un stimulant. Ce mélange sera régénérant et vitaminé. Fruité, acidulé et doux à la fois, il sera plein d'arômes et porteur de vitalité. Ses saveurs sont étonnantes et des bienfaits encore plus. La plus délicate des roses est à coup sûr la rose thé. Son bouton aux feuilles mi-closes de carmin à peine teinté, la rose thé de Théophile Gautier. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire hein, parce que sinon on va y passer encore deux plombes. Voilà, après le thé se décline en cuisine avec la matcha à cuisine. Matcha à cuisiner, feuilles de thé vert du Japon réduites en poudre fine. Le matcha ana est celui qu'on utilise en cuisine pour aromatiser les plats et se faire du bien car il est riche en polyphénols et antioxydants. Classé parmi les super aliments selon Café Pinson, il s'inspire des recettes étonnantes des actions bienfaitrices sucrées et salées. C'est donc tout naturellement que nous avons invité Agathe, la fondatrice du Café Pinson, à inventer une recette à base de matcha pour le plus grand plaisir de nos papilles. Simple à réaliser et aux résultats sophistiqués, suivez ses conseils pour vos dîners printaniers. Voilà, Café Pinson, là, je vous montre les photos. Les jardiniers sont partis. Voilà, Café Pinson. Crème matcha et citron vert au pinson, vous voyez, il y en a un sacré. Star Elixir bio et jaune lemon, le thé aide l'esprit, combat la fatigue, stimule le corps, réduit le poids, stimule la vision. Voilà. Cosmétique homemade au thé, l'ortie pour la beauté des cheveux et de la peau, il y a la recette, exfoliant pour visage au thé vert, là, il y a la recette aussi. Hein. Qui n'a pas déjà décroché. Là, il y a le gâteau marlette ou abricot sec, nos épices. Ouais, pain d'épices et abricot. Voilà. Muffin chocolat, pain d'épices perdu sans gluten. Voilà, ça, c'est les recettes de Marlette. Rien d'autre aujourd'hui que d'aller dans le printemps, rien de plus. Voilà, c'est très sympa, comme vous voyez. Montez là, voilà, c'est pour prendre des notes. Voilà. Bonne dégustation, généralement ça se termine par cette phrase. Bonne infusion, c'est là. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Vous voyez, ce mois-ci, c'est spécial beauté. Avec une boîte qu'on peut toujours conserver. Hein, qui est bien pratique. Ranger. C'était. Bon, le mois prochain, je ne sais pas si je vais la prendre parce qu'il faut que je finisse quand même tout ce que j'ai. Parce que l'air de rien, il y en a pas mal. Hein, des bons gros buveurs de thé. Voilà, je vous mettrai le prix et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, gros bisous, à plus.